Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer Lemmings Speedball. Donc ce sera probablement une vidéo unique parce que je vous en avais parlé donc dans ma deuxième vidéo sur Lemmings. Donc je vous avais dit qu'il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Pour y avoir rejoué, je comprends mieux pourquoi. C'est vraiment pas terrible. Donc comme on va le voir, c'est un jeu de paintball, pas vraiment. C'est un jeu de capture de drapeau plutôt qu'autre chose. Bon, enfin bon, on va voir ça tout de suite. Donc je vais vous montrer que ça a vraiment plus rien à voir avec les Lemmings. Donc on va commencer tout de suite. On va lancer une partie en un joueur. Fun, Easy Zone, voilà, c'est... Hop, je ne vous ai pas montré, mais c'est Fun, Tricky, Taxing, Mayhem. C'est les mêmes niveaux de difficulté dans Lemmings. Bon, les options, c'est pour bouger le son, tout ça, ça on s'en fiche. Ça, c'est le mode plein écran, le mot de passe, etc. Donc on peut aussi jouer à deux, ce qui peut être sympa éventuellement si on aime le jeu, mais comme moi, c'est pas tellement mon cas, j'avoue que... Bon, ça me dit rien, quoi. Donc, sans plus attendre, je vais donc commencer le mode un joueur. Donc voilà, on a un Lemmings qui fait même pas peur avec ses armes. Et comme on va le voir, j'ai un Lemmings avec un drapeau et une minute pour trouver le drapeau. Donc comme ça, là, c'est les premiers niveaux, c'est les niveaux tutoriels, on va voir que ça reste quand même assez simple. Donc on a un Lemmings, on clique où est-ce qu'on veut qu'il se dirige, hop, le bouton droit, c'est pour tirer, on voit la jauge qui diminue, c'est pour saisir munitions. Donc après on en aura plusieurs, là pour l'instant on en a qu'un seul, hop, ça c'est la pause, et donc il suffit juste de cliquer cette fois sur les drapeaux. Voilà, le but c'est d'amener tous ces Lemmings donc sur les drapeaux. Donc c'est un succès, c'est sûr, c'était pas non plus très très dur. Voilà, difficult note. Voilà, après on va voir, là c'est surtout pour nous faire assimiler les mécaniques du jeu. Donc ça reste vraiment dans des niveaux basiques. Là hop, un petit coup de levier. Look, ça baisse le drapeau et on peut aller chercher. Donc rien de bien compliqué, hein. J'aurais peut-être dû commencer par des niveaux un peu plus durs. Parce que là du coup... je vais pas vraiment vous montrer le jeu non plus. Voilà. Hop, alors je passe un peu plus vite forcément, mais... Ah, c'est pour nous montrer... Hop, pour nous montrer les différences de niveau, là. Enfin, des niveaux de... Comme c'est un truc en 3D isométrique, c'est pour nous montrer... Voilà. Qui peut... Hop, qui peuvent grimper. Hop. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Hop, ils peuvent sauter. Hop. Pas trop haut quand même. Allez, viens là. Hop. Voilà, c'est même pas par là d'ailleurs. Le... Allez. Ils sont toujours un peu empotés. Hein, puis au niveau de la. On y est avec les graphismes, c'est pas toujours facile de les faire aller où est-ce qu'on veut. Parce que bah, l'intelligence artificielle, le pathfinding, il est un peu aux fraises aussi. Donc c'est pas toujours très évident de vraiment qu'ils aillent exactement à l'endroit où on veut. Des fois, c'est un peu la galère. Mais bon, ça se passe très bien. La barrière. Qui va se refermer une fois qu'on passe, même pas. Youpi. Alors j'ai pas été très 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 loin dans ce jeu là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû. Après je vous montrerai d'autres niveaux. Là pour l'instant on fait quelques niveaux d'entraînement. Mais voilà. Hop. Alors là on voit il y a des munitions. Tac. Parce qu'on va rencontrer nos premiers ennemis. Sprouch. Ça fait oui, ça fait Sprouch, tout à fait. Il faut éviter forcément de se faire toucher aussi. Et voilà, les premiers ennemis. Donc pour montrer que c'est bien du paintball quand même. C'est pas qu'un jeu de capture de drapeau, mais beaucoup quand même. Mais voilà, il porte bien son nom, Paintball Lemming. C'est des Lemmings qui font du paintball. Quoi plus logique. C'est vrai que quand on pense à ces bêtes-là, on pense tout de suite au paintball. Sprouch. Sprouch. Ah, je me suis fait toucher. Ah, perdu. Ah, petit dommage. Quand on se fait toucher, forcément, avec du paintball. Tac, toucher, éliminer. Ça pour ça. Hop. Donc voilà, c'est du petit niveau. C'est pas un jeu qui est mauvais. Hein. Quand je disais que je l'aimais pas, c'est juste que voilà, moi je suis pas trop fan. Mais c'est vrai que c'est pour un jeu qui est mauvais en soi. Donc bon, graphiquement, il est quand même assez agréable. Mon l'IA est un peu aux fraises, mais bon, ça c'est un détail. Enfin, quoi que, non, c'est pas un détail, mais l'IA est aux fraises. Et du coup, voilà, moi je le trouve sympa, mais sans plus. J'y avais joué. J'avais passé pas mal de temps dessus quand même, parce que il me semble que j'avais dû aller assez loin. Mais voilà, il m'avait vraiment pas laissé de souvenir de. Pas comme Lemmings ou Lemmings 2, que j'adore y revenir de temps en temps. Celui-là, je crois que c'est la première fois que j'y rajoute depuis.
depuis quelques années déjà. Moi, non, je l'avais pas. Moi, je l'avais déjà trouvé en abandonware. C'est vrai que je l'avais pas eu à l'époque. Mais voilà, c'est pas des jeux qui sont beaucoup plus passionnants que ça. Mais voilà, ça reste jouable. Hein. C'est pas non plus une calamité comme Bubsy 3D ou Colorado que j'ai trouvé assez assez immonde pour revenir enfin, sur le jeu que j'ai fait. Mais voilà, c'est voilà, ça reste sympa quand même. Je me répète. Ah, changement d'environnement un petit peu. On est sur des îles, c'est sympa aussi. Est-ce qu'on peut tomber dans l'eau? C'est ça qui est rigolo. Maintenant, est-ce qu'on peut torturer un peu les lemmings? Et après ce niveau-là, on essayera un autre mode de difficulté, histoire de dire que ce soit un peu plus dur. Parce que là, c'est vrai que du coup, c'est des niveaux assez simples. Est-ce qu'il peut jeter dans l'eau? Non, il peut pas. Un lemming, s'il peut pas jeter dans l'eau et se suicider, c'est pas un vrai lemming. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Alors, est-ce qu'il y a une astuce là? Non. Ah ben voilà, c'était ça l'astuce. Youpi! On peut même pas les jeter dans l'eau, c'est nul. Non, return, on va. Tricky, Taxing Mayhem, on va faire en Taxing, tiens, on va voir les niveaux un peu plus durs. Donc là, on a 4 lemmings et un drapeau. Hop! Oh, avec des plateformes mobiles et tout, ça rigole pas. Hein. Donc on en a deux là et deux là-bas. Spooch. Ah, il y en a un qui s'est fait éliminer. Ça, c'est pas cool. L'autre, il était tout seul dans son coin, il s'est fait éliminer. Bon, ça, puis c'est pas grave. C'est le vieux bruit de Spooch là. À quoi ça sert la caisse? C'était une clé. Ah, ça peut être. Oh, doucement. Ils sont nombreux, hein. Ce qui est embêtant, c'est. Ou emmerdant, on peut dire ça comme ça. Pour retenir, pas peur des gros mots. C'est que les munitions des ennemis et les notes sont jaunes toutes les deux. C'est un peu embêtant, dans la mesure où des fois on peut confondre. Ah, et du coup, ça ouvrait la barrière là-bas. Bon, je vais recommencer, c'est pas grave. Comment on faisait pour recommencer, oui. Donc oui, ça, les munitions de nos lemmings et des lemmings ennemis donc sont jaunes toutes les deux. Donc ce qui est assez embêtant dans la mesure, des fois on les confond. On se dit est-ce que c'est moi qui suis en train de tirer sur l'ennemi, est-ce que c'est l'ennemi qui est en train de me tirer dessus? Il y a des fois on se pose la question. Mais voilà, après, voilà, hop. Les ennemis sont pas non plus très très fufutes. Ah mince! Ah non! Ah si, je me suis fait éliminer un lemmings. Donc là on voit, voilà, c'est quand même des niveaux un petit peu plus durs, un petit peu plus tactiques, donc allez, crève! Pourriture communiste! Donc c'est des niveaux, voilà, un peu plus tactiques, donc qui étaient plus intéressants. Ah oh là là, j'ai réussi à me faire éliminer tous mes lemmings. Hop, avant même d'avoir réussi à atteindre la plateforme. Voilà. Donc lui, il a la clé. Oh. Calmos. Calmos, Ramolos. Tiens, hop. Ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut que je retourne à l'autre là-bas que j'avais abandonné tout à l'heure. Ah non, la porte, elle n'est pas ouverte. Mais. Voilà, là, la porte, elle est ouverte. Il faut pas que je me fasse éliminer. Celui-là, apparemment, si je me fais éliminer, c'est foutu. Parce que les autres, ils n'ont pas l'air de pouvoir passer de ce côté-là. Oh là là, il y a du monde ici, bordel. Ah! Bon, bah. Se fait râper. Bon, laisser tomber ce niveau, parce qu'on va pas s'amuser à le faire 10 ans non plus. Ok, j'ai failli, je le sais, Taxing Mayhem. On va tenter en tricky. Voir ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Voilà, 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 voilà. Ça tire. Ouf. Derrière un mur. Bon. Ouais, ils sont nerveux les cow-boys là. Hein. À mon avis que. Ouais. J'en ai vu qu'il y en avait un là-bas. Ah! Je me suis fait éliminer comme une bouse. Et ben voilà. D'accord, bon cette fois ils peuvent tomber. Je m'étais fait avoir, j'étais resté sur l'ancien niveau où ils pouvaient pas tomber dans l'eau. Je me suis dit, bon, ça va être pareil. Mais en fait non. L'intelligence artificielle
clairement pas terrible. Donc ceci, ça fait. Oulala. C'est pas cool ça. Oh, décidément. Bon. Allez, on va y arriver. Et après on ira voir les niveaux en Mayhem ce que ça donne, pour rigoler. Et pas les niveaux en Mayenne, ça n'a rien à voir. Du coup j'ai planqué celui-là. Comme ça, il sera peut-être un petit peu plus en sécurité que la dernière fois. Bye. Non mais... Ah bah puis voilà le drapeau. Youpi, on a pas besoin d'éliminer tous les ennemis, bon c'est cool alors. C'est parfait. Hop, niveau suivant. Un de nos lemmings est perdu. Ça sent le bonhomme tout seul. 1, 2, 3. Ah bah non, c'est bon. Direct quoi. On peut les déplacer tous ensemble apparemment. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Ah d'accord, en cliquant dessus, ça les déplace tous ensemble. Ah bah c'est... Oups, c'est encore mieux. Alors je vais me dire, oups, je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai cliqué à côté de la fenêtre et du coup je me suis retrouvé sur le bureau. C'est pas grave. Hop, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. Voilà, j'en ai perdu un en route. Ah, j'en ai perdu deux. Il y a plusieurs drapeaux à récupérer cette fois. Donc voilà. Finalement voilà, j'en avais un mauvais souvenir de ce jeu là et bon bah, j'en ai un souvenir, enfin un souvenir non parce que je suis en plein dedans. Ah oui mais on peut attraper qu'un seul drapeau par les Mings. Ah ouais ça c'est ballot. c'est vraiment ballot ça. Donc faut que je recommence. Donc oui je disais j'en avais un mauvais souvenir de ce jeu là. Bah là finalement mon souvenir il en est un peu, il est un peu moins mauvais. Puisque finalement, bon, je vais faire les niveaux en Mayhem, on va regarder. Finalement, voilà, je le trouve pas si terrible que ça. Donc il y a bien pire comme jeu, mais voilà. J'y reviendrai pas forcément très très souvent. Ou alors, si je reviens, je ferai pas de vidéo dessus, parce que je pense que ça va vite être très chiant. Ou alors, il va falloir que je connaisse tous les niveaux par cœur. Ah oui. Je sais pas que je vais me faire régresser dès le début. Ah oui, là, ça rigole pas les niveaux. Hein. J'en ai que deux, et les deux autres ils sont perdus dans leur coin. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi il se promène tout seul lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? J'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Ils sont vraiment crétins ces lemmings alors. Bon allez, c'est sans surveillance depuis deux secondes, pire qu'un gosse. Bon allez, c'est sans surveillance plus de deux secondes sans qu'ils fassent une connerie. C'est un peu comme les enfants, c'est ça? Dès qu'on les entend plus, c'est qu'ils sont en train de faire une connerie. Ah là 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 là. Bon alors ça a l'air d'être une espèce de labyrinthe. Aujourd'hui. D'accord. Bon on va voir. D'accord, je vais être bloqué. Bon, c'est pas grave. Donc ce sera un let's play de la loose, hein. Comme d'habitude. Ouais. Du coup, voilà. Je suis un peu saoulé. Voilà. Je crois que c'était pour ça que j'en avais un mauvais souvenir, ce qui m'avait déjà saoulé. Mais voilà, c'est aussi parce que je manque d'entraînement, forcément. C'est des niveaux que je connais pas du tout. C'est un jeu que donc voilà, je fais par souvenir plutôt qu'autre chose. J'ai rejoué vite fait pour voir au moins s'il fonctionnait avant de lancer la vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu voilà, auquel j'ai joué beaucoup. Donc bon, je me répète. Je vais tout de suite arrêter avant de... Comment j'allais dire, d'être trop rébarbatif. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt, donc on va très vite se retrouver pour d'autres vidéos, donc pas pour la suite de Lemmings du coup forcément, enfin de Lemmings si, du Lemmings normal, sachant que là voilà c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait la suite, ouais d'accord, parce que je pense que voilà je ferai que 4 vidéos dessus, je finirai le mode fun et après je ferai une longue pause avant de reprendre la suite, donc voilà après on verra comment je vais faire pour la suite parce que je trouve que c'est pas très très palpitant à regarder comme jeu. Donc voilà, je commencerai peut-être après directement par les niveaux Mayhem ou Taxing, on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, on se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à me lancer des défis, à me suggérer des jeux, etc. Ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, portez-vous bien et on se revoit très vite. À bientôt, salut !